de nous retrouver et de retrouver les quatre filles au jardin qui finalement se retrouvent quatre filles à la salle Pétrarque, une superbe salle du 12e, 13e siècle qui est un des fleurons de l'architecture médiévale montpelliéraine. Je remercie nos quatre intervenantes, Maïlys de Kerangal, Olivia Rosenthal, Marie-Hélène Lafont et Joyce Ormand. Franchement, c'est un plateau dont rêve n'importe quel programmateur littéraire. Merci. Merci, merci vraiment beaucoup à toutes les quatre d'être là. Et Maïlys, je te laisse la parole tout de suite. Bonjour. Donc nous sommes réunis pour un autre temps de cette carte blanche qui m'a été offerte par la Comédie du Livre de Montpellier. Et j'ai eu l'envie et l'intérêt d'inviter trois écrivaines pour évoquer la question des lieux, dans la mesure où l'on pense que, où on peut dire que voilà, écrire fait exister des lieux, écrire fabrique du lieu, et que cette saisie des espaces demande parfois des démarches que l'on va regarder ensemble, des démarches qui sont poétiques, qui sont des démarches d'enquête, est-ce que écrire des lieux façonne ou non une langue, voilà, quels sont les va-et-vient entre la littérature et les lieux, la littérature suscite des lieux ou des lieux en procèdent, hein, ou fait exister des lieux, ou alors elle est inspirée par des lieux, il y a une espèce de va-et-vient comme ça. Donc trois personnes sont là, Joyce Ormand, Marie-Hélène Lafont et Olivia Rosenthal, qui toutes les trois ont une pratique de la littérature différente, des écritures différentes, mais qui ont toutes, à mon avis, qui toutes les trois marquent un geste très fort littéraire vers justement cette question de la saisie des espaces. Et on va voir que ça se passe assez différemment, mais que toujours cela revient à poser la question d'une langue. Alors ça se passe différemment, et comment ? Donc on va lire des passages de ces textes que l'on va évoquer afin d'entendre aussi ce qui se passe. Tac, tac, tac. Afin d'entendre justement ce qui se passe dans cette saisie, dans cette captation, dans cette façon de s'inspirer des lieux ou de au contraire de faire surgir une langue depuis ces lieux. Et alors, par exemple, on va commencer peut-être par parler du travail de Marie-Hélène Lafont, et puis après ça va croiser entre nous. Marie-Hélène Lafont a un travail littéraire qui fait exister une certaine, d'ailleurs, un espèce de paysage quasi unique. C'est un travail avec une forte empreinte autobiographique qui fait immédiatement surgir, émerger le Cantal, la rivière Santoire, un pays rural, un pays paysan, au fil des livres qui peuvent être justement albums, l'annonce, les pays, Joseph, et puis Histoire, le dernier livre que vous avez publié, et également Traversée. Dans ces livres, vous parlez du pays premier, et que écrire vous amène à vous tenir dans le pays premier, soit par une forme de fidélité, soit parce que cette rumination du pays premier donne lieu à une rumination de la langue. Et en fait, pour moi, c'est un va-et-vient vraiment très intéressant, d'autant plus qu'il y a également chez vous, il y a cette présence du pays premier comme socle, comme fidélité, comme loyauté, et en même temps, il y a eu des arrachements. Hein, l'idée de faire venir, de vous être arraché à ce pays, et peut-être n'existe-t-il aussi intensément que parce que vous vous en êtes arraché, c'est-à-dire c'est parce que peut-être vous vous en êtes privé à un moment donné que ce pays existe de manière si intense pour vous, dans un mouvement un peu dialectique comme ça, notamment le fait que d'être parti à la ville et notamment à Paris, peut-être d'abord à Saint-Flour dans ce pensionnat où vous avez étudié de la 5e à la terminale, je crois. Mais 6e.
la sixième à la terminale, et puis, puis à Paris. C'est ce que vous racontez dans ce livre vraiment magnifique qui s'appelle Les Pays, qui est vraiment ce va-et-vient qui commence à un moment à s'instaurer entre cette Claire, qui est une jeune étudiante qui va quitter son pays natal, donc le Cantal, pour partir étudier à Paris, mais en même temps qui effectue aussi des retours dans ce pays, lestée d'une autre vie qui est la vie de la ville, et comment elle rebrasse à ce moment-là ce rapport à sa terre première, à son pays premier. Et peut-être que, voilà, vous pourriez peut-être commencer, alors, peut-être par lire Les Pays d'abord, ce passage, et puis après on pourrait parler d'abord d'un rapport à l'espace comme, alors, une racine, mais qui est jamais une racine dure, immobile et stable, mais une racine qui est tout le temps finalement tordue dans le malaxage de la littérature. Enfin, Merci. Juste une chose que j'ai envie de dire en écho à ce que vous venez de poser, Maëlys, c'est que pour moi, corps de pays et corps de langue ne se séparent pas. Paysage et texte font corps. En d'autres termes, le texte sointe du paysage et du pays. Voilà, c'est comme ça. C'est une matière. Donc, je lis un extrait des Pays choisi par la puissance invitante, Maëlys. La mince saga du père et de la mère se tenait là, dans cette lutte qu'il avait fallu soutenir année après année pour vivre et tout payer, rembourser les crédits et investir dans des équipements modernes, un système de grilles et de plans inclinés pour recueillir et évacuer le fumier à l'étable, ou une fosse à purin, ou un tracteur neuf. Toujours, il fallait suivre la cadence, rester dans la course. À la banque, au crédit, il disait qu'il fallait avoir un taux d'investissement proportionnel. On ne comprenait pas exactement à quoi le taux d'investissement devait être proportionnel. Il devait s'arranger de ça et du reste. Or, et le père, les mains immobiles, le buste raide, d'expliquer ce que Suzanne savait déjà mais ne se lassait pas d'entendre et de ruminer. Or, très vite, on l'avait senti. Et comment faire, comment s'arrêter quand on est lancé à fond, très vite. On avait à peine 30 ans. On l'avait senti, donc, et su, que l'on ne pourrait plus vivre comme avaient vécu les parents et les parents des parents et tant d'autres avant eux. Le vent des villes soufflait, le monde était vaste autour et se mettait à exister, dans la télévision, dans le journal, mais aussi dans les papiers de la banque, et les règlements, les normes, les primes, les charges. On finissait, on était les derniers. Le père plissait les lèvres qu'il avait minces et sèches. Suzanne renchérissait. Le problème, ou la question ? C'était les enfants, l'avenir, la suite. Comment les élever, dans quelle idée, continuer les fermes en se mettant sur le dos des dettes colossales. Le mot lourd de menaces frémissait dans la touffeur de l'air. Ou partir, laisser, quitter, louer, ou vendre les terres, ou les planter en résineux, et au mieux, garder les maisons qui deviendraient des résidences secondaires. Les regroupements commençaient, deux ou trois propriétés sur lesquelles une famille avait tenu 10 à 12 bêtes n'en faisaient plus qu'une qui ne suffirait bientôt plus pour vivre. Suzanne citait des exemples que le père connaissait aussi. Les noms des personnes, des lieux dits ou des hameaux écartés flottaient au-dessus du café refroidi au fond des tasses et du cendrier plein. Henri se laissait bercer, picorait une mince tranche de tarte rescapée des agapes, confiture d'abricots sur pâte feuilletée maison, une perfection
un triomphe, ça fondait dans la bouche. On verrait des choses difficiles. On n'avait pas été préparé à ça. Henri serait bien descendu à la rivière pour jeter un coup d'œil, des fois que les truites seraient de sortie. Le coin était connu de tous les pêcheurs dignes de ce nom. Il en venait de loin. Il aurait fallu s'extraire du banc où il était calé, l'épaule de Suzanne appuyée contre la sienne. Il en sentait la tiédeur à travers la manche courte du polo beige. S'extraire du banc et s'extraire de la cuisine, de la maison, se jeter dans la fournaise de la cour et du chemin, tête nue. Ils se récrieraient tous, comme ils faisaient chaque fois, eux qui ne sortaient jamais sans un chapeau, une casquette, un foulard, n'importe quoi, pourvu qu'ils aient la tête couverte, le crâne à l'ombre, le carafon à l'abri. Ils tournaient fous, ils allaient attraper la mort ou au moins un sacré coup de soleil. Surtout blanc comme il était, en vrai parisien de l'usine et du métro, et après avoir mangé et bu comme il l'avait fait. Car Henri se défendait à table, il faisait plaisir à voir. Il avait la fourchette bien en main et l'estomac bon à tout. On le brocardait, on lui demandait s'il faisait des réserves pour l'hiver et où il mettait tout ça. On lui prédisait au tournant de la quarantaine une bedaine formidable. Il riait de toutes ses dents parfaites et exhibait une silhouette fluide quoique robuste. Son côté mannequin, disait-il, marque de fabrique, privilège de famille, et ne me parlait pas de sport. Jamais touché un ballon, ni rond ni ovale, encore moins un vélo, canne à pêche, bricolage. Et, il riait encore, bricole en tout genre. Voilà qui vous gardait un homme en forme, un homme et une femme. Il ne disait rien de l'usine, des 3-8 qui faisaient 24, c'était sa formule. Ou de ce frère unique et aîné qui n'était pas revenu de la guerre d'Algérie. Henri était lisse, suspendu dans le moment et tout à sa Suzanne. Dans la cour noyée d'été, ils surgissaient les deux dans les aboiements des chiens et se tenaient debout sous la lumière, moulés dans leurs habits de parisiens en vacances. Lesquels habits n'étaient pas d'ici, pas tout à fait, bien qu'elle, Suzanne, fût une fille de cette vallée, de la vallée de la Santoire, issue, sortie d'elle, de cette fente enfouie dans le vieux pays, plissée, rabotée. Suzanne, partie, montée à Paris dans les postes, au traitement des chèques postaux à Montparnasse, montée à Paris à 19 ans, et mariée d'amour dûment à Paris avec son Parisien, un vrai, bel homme, aux hanches minces, à la bouche rieuse, un de chez Renault, un de l'équipe de nuit. Suzanne, quoique montée à Paris, et versée dans le traitement des chèques postaux, et nantie d'un mari parisien à fond. Suzanne, par le jeté du corps, la voix, le pas, les mains, appartenait à ce bout de pays éliminé, à cette vallée de la Santoire, derrière elle laissée loin au long des hivers gris de la ville, entassée les uns sur les autres depuis des années. 13 années maintenant, 13 années qu'elle vivait dans l'hiver des villes. À Paris d'abord, à Gentilly ensuite, où ils avaient acheté l'appartement, Suzanne et Henri, depuis 3 ans, presque 4, au 5e étage du bâtiment B d'une résidence neuve, avec ascenseur, entrée, cuisine, salle de bain, salle à manger et 2 chambres. Une pour eux, une pour l'enfant qui viendrait, quand il viendrait, parce qu'il ne venait pas encore. Il n'avait pas fait d'examen. L'enfant ne venait pas. Il ne savait pas pourquoi, ne cherchait pas à savoir, ni lui, ni elle. Ils étaient d'accord. Il ne cherchait pas à comprendre. Pas encore. Planté, pâle et jeune, solide. Il riait dans le soleil d'août qui éclaboussait leurs habits de Parisiens. La cour, les poules chamarrées,
les clapiers garnis, les montants verts et jaunes de la balançoire. Elle ne servait plus vraiment maintenant que les trois enfants de cette ferme étaient déjà presque grands, assez grands, pour commencer à perdre, à oublier le goût forcené de la balançoire jetée dans l'air bleu sous l'érable, le corps lancé, arraché à la force des jambes et du buste tendu, bercé le corps dans cette caresse insolente de la balançoire. Caresse recommencée, qui n'eût pas dû finir et qui finissait cependant, parce que ces enfants-là, les enfants de cette ferme, trois, deux filles, un garçon, grandissaient, s'échappaient, s'étaient échappés de l'enfance et de l'âge où les balançoires jettent les corps contre l'air bleu sous les érables. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc on voit bien qu'il y a cette... De ces trois enfants, justement, elle va sur... L'un de ces trois enfants va être ce personnage de Claire qui va partir à Paris et qui déjà, dans la cour de la ferme familiale, voit une espèce de couple hybride, cette Suzanne qui est de sa famille et ce Parisien qui est l'étranger. On voit bien que dans la cour de la ferme, avec les vêtements, il y a une espèce d'espace qui commence à être troublé. Il y a la première manière dont se trouble le pays premier, hein, avec ce tome qui débarque, qui est le Parisien, qui regarde vers l'usine, qui regarde vers la ville. Enfin, c'est un étranger, et en même temps, il est là au milieu de la cour. Et elle, c'est comme ça, c'est les premières représentations aussi qu'elle a d'un côté. Oui, oui. Et ce corps fait corps étranger. Voilà, je crois que le texte le dit. Et ce que le texte dit aussi et que vous avez annoncé tout à l'heure, c'est la question de l'arrachement, qui est une nécessité. C'est une nécessité économique, sociologique, politique. Ce n'est pas un choix romantique, ce n'est pas Rastignac. C'est, on est les derniers, donc les enfants des derniers vont aller inventer leur vie ailleurs. Voilà. Et c'est l'arrachement, la prise de distance qui permet l'écriture. Justement, donc ça me merci. Ce mot d'arrachement, il regarde aussi évidemment vers le travail de Joyce Aumont et de Olivia Rosenthal. Olivia Rosenthal, dans Devenir du roman, dans le deuxième volume de ce livre qui est paru il y a 2 ans. Je tutoie Olivia, en fait, parce qu'on se connaît. Sinon, c'est un petit peu artificiel. De s'adresser l'une à l'autre. Oui, tu commences par ces mots la façon de catalyser du matériau pour faire naître l'écriture. Tu commences par « je sors, je vais dehors, je quitte l'espace réconfortant, rassurant et confiné de mon bureau, je rejoins des territoires inconnus. » Et Olivia, c'est un toi aussi, dans tous tes textes, mais à partir, beaucoup, il me semble, à partir de l'expérience de viande froide, donc peut-être tu peux dire un mot, mais aussi peut-être à partir de l'expérience de l'écriture de ce texte sur la prison de la santé, puis ensuite de manière différente, mais enchâssée, enroulée dans des textes plus fictionnels, justement les reines, mais aussi beaucoup, de mon point de vue, dans le dernier texte qui s'appelle « Mécanisme de survie en milieu hostile », il y a cette quête des lieux, mais qui, à la différence de Joyce Aumont, qui a aussi un geste d'arrachement, et alors après, il va falloir articuler l'histoire du pays premier arraché, hein, parce que, Joy, elle a cette façon de considérer l'architecture, le bâtiment comme une réalité physique. Et toi, à partir de viande froide, de la prison de la santé, etc., il y a cette idée de que les lieux existent par la parole de ceux qui les habitent, que les lieux sont habités par des voix, hantés par des voix, traversés par des voix, et qu'en fait ils se tiennent par ces voix. Et immédiatement, la littérature est là.
c'est aussi votre travail. Peut-être que tu peux reparler de ces deux expériences de viande froide et de la prison de la santé qui quand même font naître un projet qui s'appelle quand même l'architecture en parole. Et puis après lire un passage de mécanisme de survie en milieu hostile, où là, parce que mécanisme de survie en milieu hostile, c'est pas le passage que j'ai choisi, mais qu'on rentre dans ce livre quand même par un paysage qui est un paysage totalement fantastique, proche d'un espace de science-fiction, un espace de plateau. Il s'agit des femmes fuient dans des ravins, tandis que sur le plateau les attentes des hommes et un danger, et la narratrice va devoir abandonner son ami sur le bord de la route, mais on est dans un espace totalement crépusculaire et totalement troublé, et un espace dont on sent aussi qu'il peut être totalement fantasmatique. Mais avant d'arriver à cette lecture-là, on peut quand même revenir sur l'idée qu'au départ, ton intérêt pour les lieux, il est d'abord surgi d'un geste documentaire qui est ce geste « je vais dehors, je vais aussi me confronter à un matériau ». Et on en parlait hier avec Peter Zendi, c'est se confronter aussi à l'aspect sonore de ces lieux, et ça réintroduit l'idée de l'écoute et l'idée des voix dans les espaces. Merci pour cette présentation. Je crois que je n'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, parce qu'en fait tu as très bien présenté les choses. Peut-être par rapport à ce qu'on a entendu de Marie-Hélène, c'était aussi intéressant puisque le texte de Marie-Hélène, vraiment, comme vous l'expliquiez, part du paysage, et on a l'impression que les personnages existent à travers ce paysage et que leur identité même est traversée par les failles, les fissures, les reliefs. Enfin, c'est très beau ça, le passage justement où il est question de ça dans votre texte. Et en fait, j'ai pas du tout le même rapport au paysage, tout simplement parce que moi je suis née en ville, à Paris, et que j'ai pas beaucoup bougé de cette ville depuis ma naissance, et que du coup, l'arrachement, il est complètement d'un autre ordre, c'est-à-dire que, en fait, c'est ce que tu disais, ce qui m'a intéressé, et ça répond à votre texte, mais autrement, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement le fait que les lieux, pour moi, ont moins été des reliefs, des accidents, etc., que des voies, effectivement. C'est-à-dire que pour moi, un lieu, c'est d'abord une caisse de résonance, c'est-à-dire c'est défini par l'ensemble des voies qui se sont élevées à l'intérieur de ce lieu, et que ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'aller capter toutes ces voies. Alors, je peux donner des exemples précis, tu parlais de la prison de la santé, ça consiste tout simplement à aller dans la prison ça consiste à essayer d'entrer dans la prison, et une fois qu'on est à l'intérieur, de rencontrer des gens qui sont dans la prison, pas seulement des détenus, hein, mais des cuisiniers, des surveillants, des médecins, etc., et de leur demander de me faire la visite du lieu, à leur manière. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc un lieu, c'est la manière dont les gens en parlent. Donc ils me font visiter certains lieux et ils me parlent de ce lieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est que souvent, quand on se promène avec quelqu'un dans un lieu, il parle aussi de tout à fait autre chose que du lieu. Et mon idée, c'est que même s'il parle d'autre chose, c'est comme une interaction, c'est-à-dire à un moment, il parle d'une chose précise, de lui-même, enfin, il parle de son intimité, à un endroit précis de la prison, qui a priori n'a rien à voir. Et mon travail, c'est aussi de voir comment le lieu a sans doute eu une sorte d'influence sur la personne qui fait qu'à ce moment-là, elle a raconté cette chose-là. Et on rejoint la question du corps. Voilà, c'est intéressant, parce que, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé, c'est-à-dire l'idée que, effectivement, les lieux résonnent, et qu'on peut, aller capter comme ça des tas de choses grâce à tous ces gens qui parlent. Alors, c'est vrai que moi, mais ça c'est intéressant parce que peut-être que vous êtes attaché à des sensations physiques qui sont liées à la terre, alors que moi ce qui me relie plus, on va dire, au monde extérieur, c'est quand même vraiment la parole. Enfin, je crois que c'est vraiment j'ai un rapport très, très fort à la voix. Et donc peut-être que du coup, c'est intéressant, c'est que le lieu n'a pas exactement la même structure même, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, il n'est pas au même endroit,
Mais en tout cas, ça a été important pour moi effectivement de sortir de mon bureau. C'était vraiment ça, territoires inconnus. Mais les territoires inconnus, c'est surtout des gens qui, par exemple, ont des métiers ou circulent dans des lieux que je ne connais pas. C'est vrai que je ne connaissais pas la prison avant d'y être entrée pour faire ce travail. Que j'ai fait aussi ce travail aux anciennes pompes funèbres de Paris, où j'ai fait un long travail d'imprégnation et de documentation, où je me suis promenée dans ce lieu avec des gens qui avaient travaillé aux pompes funèbres quand c'était des pompes funèbres, et qui travaillaient dans ce lieu, puisque ce lieu qui a été des pompes funèbres... Peut-être que tu peux dire justement qu'à ce moment-là, ta façon de travailler, c'est aussi à partir d'un document qui devient un document sonore. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que je fais la visite avec les gens et j'enregistre ce qu'ils me racontent. Ce qui est intéressant, par exemple, sur les pompes funèbres, c'est que c'est un lieu feuilleté au sens où il a été pompe funèbre, puis il est devenu chantier, puis il est devenu lieu artistique. Et donc moi, j'ai essayé d'interviewer des gens qui avaient toutes ces fonctions-là différentes et de voir comment, finalement, un lieu, c'est aussi la mémoire d'un lieu et c'est la mémoire que les gens gardent de ce lieu et comment ils le racontent. Et après, le travail consiste, à partir de tout ce matériau sonore que j'ai emmagasiné, d'essayer de construire un texte qui est donc une sorte de montage de voix ou de... Quand je suis très en forme, je pourrais dire de symphonie. Quand je suis moins en forme, je pourrais dire de sonate. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est le travail d'essayer de rendre compte ensemble de toutes ces voix et comment elles s'articulent les unes aux autres. Et ça constitue, en fait, au final, j'espère, en tout cas, le texte qui sort de ça, c'est aussi un lieu. C'est un lieu de voix, c'est notamment dans Mécanisme, il y a cette articulation des voix. C'est-à-dire la voix de la narratrice, puis arrive une voix d'un document, ce qui fait que le livre devient lui-même, fabrique un lieu particulier qui est ce lieu de la fiction. Puis-je juste dire une petite chose au sujet de Mécanisme avant la lecture? Parce que, justement, quand j'ai lu Mécanisme, dans le premier chapitre, j'ai été... Donc la traque, en effet, ce que Maïs vient de dire, donc... des corps de fuyards et une menace tout autour, ce qui m'a totalement saisie, et je me suis demandé, j'avançais comme ça, et je me disais, comment on fait ça? Comment elle fait ça? C'est-à-dire qu'il y a un paysage, un espace qui existe puissamment, qui vous prend immédiatement, dans lequel vous vous enfoncez immédiatement avec une angoisse physique, et qui n'est en rien décrit. En rien. Et moi, avec ma balançoire et mes érables, là, hein, rien, rien. Et ça existe avec une âpreté et une verticalité incroyable. Et j'étais là, je regardais, je disais, comment on fait ça? Je sais pas. Merci, mais en tout cas, c'est intéressant aussi par rapport au lien qu'on a avec le paysage, parce que la vérité, c'est si je le décris pas, c'est parce que je ne sais pas décrire. J'ai pas ce rapport... direct justement à ce que vous dites, les érables, les centes, les ornières, les tout, voilà. Donc du coup, ça devient, c'est un peu des, aussi, c'est, ce sont des paysages un peu mentaux, enfin, et le... Il y a une existence physique aussi, oui. C'est ça qui m'a réveillé, c'est qu'on n'est précisément pas dans un espace mental, on est dans un espace qui est d'abord un espace physique, qui est, alors peut-être, enfin, qui a une... peut-être imaginaire, enfin ça, mais c'est à un moment donné, un moment complètement synesthésique. Si on peut dire, tous les sens sont convoqués pour faire exister ce paysage. Parce que vous le fomentez mentalement, mais nous, on le prend dans la viande. Hein. Mais parce qu'en fait, un paysage, c'est le rapport qu'on a avec un lieu. Et d'ailleurs, c'est pas un lieu, c'est un paysage. Précisément, la traque, le chariot de la traque, ça n'est pas un lieu, plateau, c'est un paysage. Ouais. Plateau et fente. Moi, je dirais fente plutôt que vallée. Hein. Soyons clairs. C'est sexuel. C'est une traque sexuelle. Je suis très embêtée, en fait. Je me dis que, en fait, déjà, en général, on ne sait pas toujours très bien ce qu'on écrit, parce qu'on croit qu'on écrit quelque chose, et en fait, on écrit quelque chose d'autre, mais là, j'ai été percée à jour. Mal à l'aise, mais à vrai dire, non, juste pour l'histoire de Mécanisme par rapport à la prison de la santé ou les pompes funèbres ou
m'intéressait aussi dans le fait de me lancer dans ce travail, c'est justement de changer de perspective sur les lieux et d'essayer d'aller occuper des lieux que je connais mal, qui sont justement des lieux sans habitation. Enfin, vraiment, on est très loin des villes. Et en fait, le travail, ça consistait aussi à aller essayer d'occuper ces endroits, ces campagnes reculées que je connaissais mal. Alors après, ça a suscité effectivement des paysages plutôt angoissants. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quand même un lien... le début, non. Il y a la trace, plutôt que le passage sur le soulevier, la maison. Bah, comme tu veux. Alors, attends. Je sais, parce qu'on est parti sur cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors je vais lire le début, du coup, c'était... Donc, 1, la fuite. Je l'ai abandonnée sur le bas-côté de la route. De toute façon, je ne pouvais plus rester avec elle, ça devenait trop dangereux. Je l'ai laissée à l'abri du vent, dans une ornière, derrière une haie touffue, un enchevêtrement de racines et de plantes épineuses hostiles comme des barbelés. Je me suis dit qu'elle pourrait rester là sans être vue et que, si des alliés venaient à emprunter cette route, elle les entendrait et manifesterait sa présence. J'ai fourré quelques provisions dans un sac en toile, je l'ai passé sous son bras. Elle a gémi. Elle a ouvert les yeux, je lui ai juste murmuré à l'oreille « Je m'en vais ». Puis, j'ai repris la route. J'ai suivi l'ornière pendant plusieurs centaines de mètres. Après, il y avait un vaste terrain à découvert, j'ai préféré attendre la nuit, même si je sais que la nuit n'est pas favorable. Nous ne devons pas nous déplacer la nuit, mais je l'ai fait. J'ai attendu que le soleil se couche. J'ai regardé longtemps le plateau dénudé, épiant les moindres mouvements, les changements de lumière, essayant de deviner la présence d'assaillants invisibles. Je n'arrivais pas à franchir le pas, je me demandais si je ne ferais pas mieux de rebrousser chemin et de revenir. Il y a eu un bruit derrière moi, comme un froissement. C'était peut-être juste un oiseau qui se frayait un passage entre les branches, mais j'ai eu si peur que, sans réfléchir, je me suis jetée en avant. J'ai couru le plus vite possible, droit devant moi. Et pendant toute la durée de cette course, j'ai imaginé qu'une balle pouvait m'arrêter net. Au lieu de me paralyser, cette conjecture a redoublé mes forces. Je me suis concentrée uniquement sur le souffle, la manière la plus efficace de fendre l'air. La peur est une méthode pour s'ignorer soi-même, et donc se conserver. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru. Je me suis retrouvée sous les arbres. Je me suis arrêtée quand je ne pouvais presque plus respirer. J'ai regardé en arrière. Je devinais encore la longue haie broussailleuse où je l'avais laissée, la route en retrait. Quelque chose en moi refusait de partir. Longtemps, je me suis tenue là, à la lisière, le cœur battant, comme si sa silhouette allait brusquement apparaître sur le plateau et me rejoindre. Rien de tel ne s'est produit. Plus tard, je ne sais pas comment, je me suis retrouvée dans la forêt. J'ai buté sur des troncs renversés, j'ai tâtonné dans le noir, le vent s'était levé, il faisait plus frais. J'ai dormi par intermittence, adossée à un arbre, je n'ai pas mangé. Comme je ne me rappelais plus la date exacte de mon départ, j'ai pris la résolution de compter les jours à partir du lendemain. J'ai pensé que cela me permettrait de mesurer le temps qui me séparait d'elle et m'en éloignerait inexorablement. J'ai pensé que le nombre de jours allait grandir et grandir encore, et qu'à un moment il serait si grand que je ne pourrais plus rien y faire. Les chiffres empliraient mon esprit, l'apaiseraient et l'épaissiraient. J'avais envie de me plonger dans l'épaisseur des chiffres. Donner la parole maintenant à Joy. Joy qui a un travail avec une forte empreinte documentaire que l'on connaît peut-être à partir d'un premier livre un premier livre vraiment consacré à l'architecture et aux espaces, qui est un recueil de 13 nouvelles
qui s'appelle Gros œuvre, puis ensuite un livre, un autre livre qui vient de reparaître, qui s'appelle L'Inhabitable. Ce qui est intéressant, donc, c'est toute cette histoire de question de l'habitation et du rapport à l'architecture, de l'influence de Pérec. Et par exemple, ce qui moi me semblait important, parce que c'est un travail qui est encore évidemment différent du travail de Marie-Hélène et du travail d'Olivia, mais c'est quand même, il est question quand même d'un arrachement, c'est-à-dire aller vers des lieux qu'on ne connaît pas, la littérature comme une espèce de puissance de sonde, de lieu pour sonder, et voire même deux choses qui sont pour moi intéressantes dans ces livres, à la fois dans L'Inhabitable, mais auparavant, dans ces nouvelles qui érigent 13 maisons, hein, ces 13 nouvelles que constituent Gros œuvre, c'est l'idée qu'on peut se demander si précisément dans cette quête des espaces, est-ce que justement c'est l'espace qui va imprimer la fiction, est-ce qu'il va modéliser la langue, est-ce que c'est la physique de l'espace qui va donner lieu à une forme de langue, à une forme d'écriture, ou est-ce qu'au contraire, c'est la fiction qui va tordre l'espace dans son désir? Comment ça va se passer? Cette première question d'ailleurs qui concerne les trois personnes, qui vous concerne toutes les trois, mais aussi précisément ce qui concerne Joy, qui se décale un peu par rapport à Olivia et à Marie-Hélène, c'est que dans cette quête des espaces, on passe d'un travail quand même très documentaire, notamment par exemple L'Inhabitable, qui vient de ressortir avec une augmentation, des textes augmentés, mais en même temps un dernier texte qui s'appelle La peau de l'ours, qui est alors là une fiction assez radicale, et qui pose l'idée que la littérature fabrique réellement des lieux, au sens où elle est même l'accès unique, le seul accès à un lieu qui serait par exemple la conscience d'un homme, d'une créature mi-homme, mi-ours. C'est-à-dire qu'il y a des lieux du contemporain, par exemple, auxquels seule la littérature donne accès, et qu'elle place le lecteur dans un lieu qui n'existe pas, enfin, qui existe pour la fiction. Et pour moi, ce qui serait intéressant, c'est déjà peut-être de lire, de présenter cette espèce de glissement d'une quête des espaces, parce que ce qui te concerne, c'est plutôt moins une quête de parole ou le rapport au pays premier, qu'une quête d'espace qui fonctionne d'ailleurs sous une forme de, qui instaure une espèce de variation, mais qui mêle l'architecture, qui mêle vraiment le rapport à la physique des espaces, au plan, à la façon dont on s'assigne pas un périmètre, avec l'idée qu'on va fouiller comme ça un périmètre que l'on se donne, des périmètres qui sont souvent d'ailleurs assez circonscrits, assez étroits. On n'est pas dans les paysages, on est réellement plutôt dans des espaces, dans des lieux. C'est d'ailleurs après, ça construit un autre paysage littéraire, mais au départ on est comme ça. Et ensuite, voilà, le jeu de la forme. Qu'est-ce qui imprime, comment s'élabore l'écriture là-dedans? Est-ce qu'elle est tordue dans le désir de la fiction, ou est-ce qu'au contraire c'est l'espace qui vient imprimer sa marque et lire aussi un passage. Oui, je vais dire un petit truc avant. Celui qu'on a préparé. L'Inhabitable. Oui, peut-être pas. Oui, mais je te remercie d'avoir nommé le personnage de la peau de l'ours, cet être hybride mi-homme mi-ours, donc le héros de mon dernier roman, de l'avoir nommé comme un lieu. Effectivement, que ce personnage est un, comme tu disais, un lieu où la fiction peut nous mener, c'est-à-dire à la fois dans un corps animal et dans une conscience humaine, puisque c'est une conscience. Mais plus en fait, il n'y a que la fiction qui peut. Oui, il n'y a que la fiction. Et c'est effectivement cette idée que les corps sont des lieux, elle me paraît essentielle, enfin en tout cas dans ce que je tâche de faire, c'est-à-dire que dans L'Inhabitable, pour le situer très rapidement, c'est une espèce de reportage dans des immeubles insalubres à Paris,
au moment, juste avant que les immeubles soient détruits pour être remplacés par des résidences sociales neuves, et juste avant donc, que les habitants soient expulsés puis relogés ailleurs. Donc c'est à la fois une enquête dans ces lieux et à la rencontre de ces habitants, même si effectivement la voix de ces habitants est infime et beaucoup plus parcellaire que chez Olivia. Je fais presque le mouvement inverse, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que moi, j'essaye de capter les lieux et de temps en temps se détache sur le fond de ces murs moisis, se détache une voix. Mais alors, je voudrais pas résumer de manière comme ça un peu grossière nos différentes façons de travailler, mais en même temps, quand j'ai écouté les deux lectures, ce qui est frappant, c'est que chez Marie-Hélène, le paysage va vraiment produire le corps. Le corps va en être une émanation et puis à partir de ce corps produit par le paysage, il y aura... ou un affrontement entre le paysage et le corps, une expulsion de ce corps, ou au contraire une entente. Chez Olivia, c'est ce que vous disiez Marie-Hélène tout à l'heure, ce qui est marrant, c'est que c'est les mouvements et les sentiments qui créent le paysage, en fait. C'est-à-dire que c'est la fuite et la peur qui fait advenir le paysage, donc c'est le mouvement inverse. Et moi, j'ai le sentiment dans l'inhabitable, je vais vous lire un extrait, que je traite, et aussi, comme je l'avais fait dans Brosseuve, le recueil de nouvelles, que je traite en fait l'espace alors d'une maison, d'un appartement, mais ça peut être d'une caravane, d'une cabane, d'une hutte, d'une cabine Algeco. Je traite cet espace qui est l'espace d'habitation, qui est l'espace de nos vies quotidiennes, en confrontation avec un autre espace qui est le corps qui l'habite. C'est-à-dire que, et c'est en ce sens-là que Pérec m'influence, c'est que je prends un corps, je le mets dans un espace et je vois si justement il cohabite ou s'il s'affronte. Que c'est une espèce de ou de duel ou d'histoire d'amour. Et qu'en fait, habiter, ça veut dire ou être accueilli, reçu par un espace, ou au contraire que cette hospitalité ne fonctionne pas. Et en ce qui concerne les immeubles insalubres, c'est évidemment une question qui se pose parce que je suis allée en rencontre d'habitants qui vivaient dans des taudis. J'imaginais donc une espèce d'impossibilité de conciliation entre ces espaces et les habitants, et que j'imaginais que ces habitants avaient envie de fuir ces taudis infestés de rats. Et en réalité, je me suis rendu compte que très souvent, ils ne voulaient pas partir et qu'ils y étaient heureux et qu'ils y avaient inventé leur vie et trouvé un espace. Donc cette espèce de dialectique entre l'habitant et l'habité qui m'intéresse. J'arrête ce tunnel et je le dis. Alors, je vais d'abord vous lire un passage qui a été donc écrit il y a 5 ans, la première fois que je suis allée dans les lieux, et j'y suis retournée 5 ans après pour raconter ce qui s'était passé, si les choses avaient changé. Alors, donc c'est une enquête qui a été menée dans le nord de Paris, en l'occurrence, là, nous sommes au 23 rue Pajol et au 72 rue Philippe de Girard. Les vitres de la façade donnant sur la rue sont rapiécées de papier calque. J'entre par une ouverture étroite, comme une fente dans le bâti, qui débouche sur, à ma gauche, une cour encombrée d'objets abandonnés, poussettes défoncées, vitres brisées, tables allongées sans pied, poubelles, et à ma droite, sur une autre cour intérieure, à laquelle on ne peut plus accéder. La porte est condamnée, bloquée par l'amas de détritus qui envahit la cour et s'amoncelle jusqu'au premier étage de l'immeuble. Les conteneurs verts de la ville de Paris débordent depuis bien longtemps, ensevelis, disparus sous les ordures qu'on ne prend même plus la peine de mettre dans des sacs et de descendre. De leurs fenêtres, les habitants balancent les détritus qui viennent s'échouer et remplir peu à peu ce puits de lumière infesté comme une décharge à ciel ouvert. L'odeur âcre monte le long des canalisations, des rats courent sur cette montagne de déchets en décomposition dans un froissement sordide de sacs plastiques. Leurs longues queues ondulent sur des cartons éventrés, dégueulant des restes de nourriture. Je croise une de ces bêtes repues dans la cage d'escalier qui prend le temps de lever les yeux et de me regarder. Le rat est ici chez lui. Il ne faut pas crier. L'escalier est maculé de longues traînées d'un liquide noir et poisseux, traces de pisse, de vomi, de quoi d'autre. Des toxicos viennent régulièrement s'abriter pour se piquer. Il y a du deal, du trafic et de la prostitution, sans doute des caches d'armes et des capotes abandonnées. Dans les parties communes, des fils électriques à nu débordent des plaintes et s'en mêlent sans destination. Sur le palier, des pieds s'enfoncent dans le lino qui masque les béances dans le sol. Au premier étage vit Adèle, handicapée mentale sous tutelle. Sa mère passe tous les jours lui préparer ses repas, sinon c'est la télé allumée en continu.
Il paraît que le son fait fuir les cafards qui courent le long du tuyau de la petite gazinière. En quittant la rue Pajol pour rejoindre le métro, je passe rue Philippe de Girard. Au 72, un temple hindou s'est installé dans un immeuble insalubre. En blanc sur fond bleu, une flèche indique le temple Ganesha. L'immense portique d'entrée a été remplacé par une puissante armature d'été en bois, boulonnée et assemblée, qui soutient la façade. La nourriture entreposée dans la cave pour les offrandes attire les souris. Le temple est une salle quelconque et décatie, mais embaumée par les bâtons d'encens, les fleurs coupées, les bananes et les noix de coco éventrées, des paniers garnis au pied des statues de Ganesh. La Siamp, qui est la société d'économie mixte de la ville de Paris qui s'occupe donc de ces logements insalubres, la Siamp a trouvé un nouveau local pour le temple avec un logement de fonction à l'étage qui permettra aux brahmanes de vivre sur place. Au 72 rue Philippe de Girard, des travaux palliatifs de suppression d'accessibilité au plomb ont été entrepris, ainsi que des travaux d'injection et de reprise en sous-œuvre des fondations. L'immeuble a été construit sur un sol médiocre fait de remblais comblant d'anciennes carrières de gypse. Il faut remplir les cavités, conforter les fondations, puis faire revenir les habitants. 5 ans plus tard, donc je reviens. Dimanche de juillet, des hommes téléphonent au soleil, les femmes sont invisibles, absentes. Pardon, j'ai raté la page. Dimanche de juillet, des hommes téléphonent au soleil, des femmes sont invisibles et absentes. Au carrefour de la rue Pajol, de la rue du département et de la rue Philippe de Girard, je ne reconnais plus les lieux. Le 23 a disparu. L'immeuble a été démoli. À la place, un trou attend d'être comblé. Le chantier, pour l'instant un simple terrain vague, est protégé par un grillage. Une toile enduite recouvre une façade aveugle. Un morceau d'échafaudage a été monté, mais les ouvriers semblent encore à venir. Le panneau du permis de construire prévoit la création de 16 logements sociaux et de commerces et l'implantation de 25 mètres carrés de panneaux solaires thermiques sur une toiture terrasse. Je sors mon téléphone, ouvre Google, puis annote 23 rue Pajol à la recherche d'une simulation du futur bâtiment. Le premier résultat me dirige vers meilleursagents.com, plateforme d'estimation des prix de l'immobilier. Au 23 rue Pajol, le mètre carré est en moyenne à 5 975 euros. Je finis par trouver le site du cabinet d'architectes en charge de la nouvelle construction, Armand Nouvet. Une belle image de synthèse préfigure le futur immeuble. Store en bois inclinable, façade à l'aspect marbré, une impression de luxe, de paquebot, une architecture qui m'évoque les années 30 ou 40. Une livraison prévisionnelle au troisième trimestre 2017. Puis je retrouve le 72 rue Philippe de Girard. L'immeuble a été rénové, façade blanche, volet gris. Le temple de Ganesh a disparu comme prévu. Un nouvel espace devait lui être attribué, je cherche, je tourne un peu dans le quartier, reviens sur mes pas, et au 17 rue Pajol, finis par trouver le temple de Ganesh. Les promesses ont été tenues. Le lieu est accueillant, offrande de pétales et de fruits, parfums d'encens, musique, et le brahman en short, torse nu, couvert de lourds colliers d'argent. Je continue jusqu'à la halle Pajol un peu plus bas, réhabilitée depuis mon dernier passage. C'est un ancien entrepôt de la SNCF transformé en bâtiment écologique, qui abrite une auberge de jeunesse, des salles de réunion, un bar, la bibliothèque Vaclav Havel, je découvre que les migrants sont revenus sur le parvis. Début juin 2015, leur campement avait été évacué par les CRS, gaz lacrymo et interpellation. Aujourd'hui, ils sont de retour, sans doute grâce à la solidarité de certains habitants du quartier. Une trentaine d'hommes somnolent sur des matelas alignés le long du trottoir, certains enroulés comme des momies dans des draps ou des sacs de couchage. Du linge sèche sur le mobilier urbain, un homme accroupi dans le caniveau se savonne énergiquement le crâne, un camion de pompiers stationne à proximité, aucune trace de la police mais des riverains qui veillent. Quelques jours plus tard, je lirai dans la presse que le parvis de la halle Pajol a de nouveau été évacué. Notamment la moisson d'un certain champ lexical, justement, quand on se place comme ça, quand on se poste, quand on se confronte, quand on vient habiter les espaces. Oui, non, je voulais dire, à partir de cette lecture, ça m'a aussi fait penser à un autre livre de Joy qui s'appelle Gros œuvres, dont tu as un petit peu parlé. Et en fait, il y a une chose aussi, alors qui n'est pas dans les livres de Marie-Hélène, mais qui occupe
un petit peu aussi les auteurs contemporains, qui le rapport qu'on peut entretenir avec, avec les chantiers. Enfin, moi, je suis extrêmement intéressée par les chantiers. Le BTP, quoi, enfin, le travaux publics. Donc moi, j'ai interviewé beaucoup de gens qui travaillent dans les chantiers. Et je crois qu'il y a, ça aussi. Et on le voyait un peu à un moment, tu parles des fondations, du gypse. Alors là, brusquement, je me suis dit, ah oui, là, c'est très fort le rapport que certains, enfin en tout cas nous, on entretient avec, avec ce vocabulaire des travaux publics, qui est un vocabulaire qui est extrêmement riche et qui est assez peu utilisé en littérature. Et en fait, ça fait aussi partie d'un objectif possible de la littérature d'intégrer en fait un certain nombre de vocabulaire technique à l'intérieur d'œuvres littéraires, et de voir comment ces œuvres littéraires peuvent être transformées par ce vocabulaire technique. Et quand c'est un vocabulaire technique qui a trait aux travaux publics, ça nous ramène quand même, me semble-t-il, à notre sujet, qui est qu'un lieu, c'est toujours un peu une construction, que ce soit un lieu naturel ou un lieu... Enfin, ça n'existe pas d'ailleurs, un lieu vraiment naturel. Tous les lieux ont été travaillés par l'homme, enfin presque tous. Et du coup, cette intervention humaine, quand elle prend la forme de travaux publics, c'est aussi intéressant de l'intégrer à l'objet littéraire, parce que bah, ça donne de l'épaisseur, et en fait de l'épaisseur au lieu, au sens où, par exemple, justement, un lieu, c'est aussi c'est quelque chose qui fait l'objet d'une construction et qui a des fondations. Et toute cette histoire, c'est aussi une histoire qui nous renvoie à la profondeur d'un lieu. Un lieu, c'est aussi souvent... Il a une profondeur, et c'est intéressant que la littérature aille chercher, en fait, aille fouiller. Tu utilisais le mot fouiller. On pourrait dire même aussi le mot sonder. Je disais le mot sonder. Voilà, sondage, fouille, etc. Ça fait partie aussi de notre travail d'enquête, de ne pas seulement nous attacher à la surface, mais d'essayer de travailler sur la profondeur. Et ça peut être une chose un peu métaphorique, la profondeur d'un lieu, mais c'est aussi une chose très concrète, qui est que, oui, il y a des fondations, qu'on utilise tel type de béton, que, enfin, bon, moi, je m'intéresse beaucoup à ces histoires de bentonite et autres, manifestations, en fait, de la construction des lieux. Hein. Donc, je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est assez important aussi dans le travail de Joy. Et le chantier, c'est quelque chose qui est très fascinant pour certains auteurs. Oui, alors, l'idée aussi, c'est que le chantier, c'est aussi quelque chose qui est amené à disparaître. Le chantier, c'est une forme éphémère. De fait, il y a des chantiers, puis un jour, déjà, ils prennent place, ils surgissent dans des villes. Tout d'un coup, un chantier apparaît, ça surgit, ça n'est pas là avant. Quelque chose donc va se passer, quelque chose est en cours, et puis... on revient un an plus tard, et finalement le chantier lui-même a disparu, à la place il y a un bâtiment. Donc il y a une histoire de métamorphose. Moi-même, j'ai été assez fascinée par un chantier. J'ai consacré un livre à un chantier qui s'appelle Le Naissance d'un Pou, qui était qui raconte, enfin, comme son titre l'indique, qu'il y a un roman qui raconte la naissance d'un pou, et qui est donc l'histoire d'un chantier. Je voulais vous lire un passage. Le chantier bat son plein. Un déploiement sourd d'abord, voire clandestin. Nulle envie n'eût pu deviner ce qui se tramait de part et d'autre du fleuve. Nul ne put se douter de ce qui allait sortir de terre, sauf à se lever à l'aube pour s'interroger sur le passage en trombe de certains autocars, remplis de types serrés comme des sardines, lesquels, la nuit venue, repassaient en sens inverse à même vitesse, sauf à zioter le trafic des navettes sur le fleuve. Il n'y eut point de première pierre posée en fanfare et de bois photographier la truelle à la main et le sourire ad hoc devant un parterre de costards sombres et de filles immenses, quasi nues sur des échasses, et qui chuchotaient entre elles dans une langue où les nerfs roulaient sur eux-mêmes, tête la première comme s'ils dégringolaient au fond d'un puits. Il n'y eut point d'avis placardé sur des murs ou des poteaux, dans les couloirs de métro, il n'y eut rien, rien. Le boa avait pris soin d'externaliser l'immense plateforme Ponto Verde au sud de la ville et d'interdire toute publicité sur l'ouvrage afin de ne pas alerter les habitants et les usagers de Coca, son électorat, ses clients. De ne pas les alerter sur les nuisances inhérentes à de tels travaux. Éventrement de perspectives aimées, poussière, bruit, pollution hétérogène,
congestion d'axes circulatoires, recrudescence de carjacking, afflux de populations miséreuses cherchant à gratter de quoi vivoter aux marges du chantier. Le pont s'avançait, camouflé, les sites de forage furent clôturés de palissades bientôt couvertes de trompe-l'œil raccord au voisinage, quasi invisibles hormis la tête de mort dans son panneau triangulaire qui piratait chaque portail. Les percussions des bulldozers fusionnèrent avec les chocs et martèlements naturels de la cité, avec les fumées des moteurs de bagnole et les rafales de poussière. Un nuage de pollution jaune citron plana bientôt sur la ville. Les hommes du pont continuaient, ils continuaient de débarquer de partout. Ils majoraient soudain la population des bars où ils laissaient un bon quotient de leur paye, identique en cela aux individus fraîchement arrivés en ville, lesquels cherchaient toujours à payer des coûts pour se faire des contacts et misaient sur l'ébriété pour avoir des idées de business, puisque putain, ils y étaient dans la place. Nul ne vit rien. Les premières semaines, les habitants allaient dans une ville pareillement étincelante et fluide, les affaires jutaient de gros dividendes, les glaçons s'entrechoquaient doucement au fond de whisky mordoré, chin-chin, tandis que les filles, au coin des yeux tatoués, avalaient des speedballs, coke plus bicarbonate de soude, avant d'aller rôder en soutif et mini-jupe en jean dans les parkings souterrains des grands hôtels de luxe. On débita des ruchers de strass vendus au kilomètre, la cosmétique envahit les vitrines, des gamins de 16 ans firent fortune à la boule usant d'une martingale dénichée sur Internet, le pont se construisait, les hommes et les femmes du chantier ne levaient plus la tête, mais travaillaient ramassés sur les gestes à faire, s'acquittant chaque jour des quotas en mètres carrés, de mètres cubes et de tonnes requis sur les tableaux relatifs au phasage des travaux. Oui, le pont se haussait, il partait du plus bas, du plus profond, une profondeur dont personne à Coca n'avait la moindre idée. Il prenait appui au fond de trous calibrés au millimètre qui transperçaient une à une les strates de sédiments, se basait au cœur d'une millefeuille mnésique, se souvenait de la glèbe la plus noire, la plus lourde, pâte grasse qui suintait ses rigoles de jus archaïque, s'égouttait ploc, 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 et ça résonnait comme dans un cachot, ça scintillait dans les faisceaux des lampes frontales puisque les têtes casquées s'y penchaient à l'examen, puis se redressait face noire et yeux exorbités. On y est, on y est, on y est, le trou du cul du monde, ça gueulait dans toutes les langues. On arrive, on descend, encore, vas-y, encore un mètre, vas-y, vas-y, tu peux y aller. Et alors les dents luisaient dans le noir, émaillées comme autant de lucioles, ça gueulait, toki-woki crocheté aux oreilles. Encore, encore, vas-y, descends, descends encore, dans le cul profond, quand là-haut, tout là-haut, à la surface du monde, dans le soleil éblouissant et l'éclat des berlines polichées carrosses, c'était encore des talons aiguilles tac-tac-tac, des pneus de gomme sculptés qui rappaient l'asphalte, des gens en marche qui vivaient la vie et ignoraient tout ce qui se jouait. Cette histoire du chantier. Alors peut-être qu'on pourrait évoquer justement le rapport à Pérec avant de revenir sur le paysage. Marie-Hélène lise ce qu'elle a écrit dans Traverser sur le paysage, mais avant peut-être pourrait nous parler du rapport à l'influence de Pérec et justement cette espèce de joie esthétique dont tu parlais hier. Il y a deux ouvrages de Pérec qui sont un peu la matrice et de gros œuvres, et donc de ces deux petits livres qui sont un peu en marge, l'Inhabitable, et puis un autre petit livre que j'ai écrit qui s'appelle Paris Gare du Nord, qui est une espèce de journal de bord que j'ai tenu pendant une semaine donc dans la Gare du Nord, à la rencontre essentiellement des gens qui y travaillent. Donc deux ouvrages de Pérec, un qui est assez fameux, qui s'appelle Espèce d'espace, et un autre plus petit, moins lu, qui s'appelle L'Infraordinaire, et qui est comme un petit manifeste littéraire dans lequel Pérec nous enjoint les auteurs à revenir au plus petit, au plus minuscule, à ce qui fait la matière la plus banale et la plus quotidienne de nos vies, comme si une espèce de résistance de Pérec aux grands élans de la littérature. Et il dit finalement, ce qui fait la banalité de notre quotidien, ce qu'il appelle l'infraordinaire, on ne l'interroge plus parce que précisément, ça nous semble une évidence. Et qu'une des pistes littéraires de Pérec, c'est d'interroger à nouveau ce qui nous paraît acquis pour toujours.
et par exemple nos façons d'habiter. Et je pense que cette affaire de, enfin Marie-Hélène dira, mais je pense que cette affaire d'infraordinaire traverse complètement l'œuvre de Marie-Hélène, avec l'idée que ce qui nous paraît le plus simple est en réalité le plus complexe. C'est-à-dire, finalement, de revenir aussi à des motifs anthropologiques primaires. Quoi. Tu parlais tout à l'heure de premier pays aussi. Premier pays, mais c'est une expression de Marie-Hélène. Voilà, je me tiens dans le premier pays. J'écris peut-être pour me tenir dans ce premier pays. Non, mais voilà, cette idée que habiter, aimer, manger, se déplacer, prendre un train, monter à Paris, etc., sont des choses infiniment complexes, beaucoup plus complexes, selon Perec, qu'imaginer une grande aventure avec des passions amoureuses, quelque chose qui serait de l'ordre, voilà, de l'extraordinaire, du merveilleux. Et puis s'enchasse dans cette affaire d'ordinaire, donc un autre livre beaucoup plus formaliste comme ça de Perec, Espèce d'espace, qui est une espèce de radiographie de tous les espaces de vie, du plus minuscule au plus large, de la chambre à coucher, du lit dans la chambre à coucher, comme des poupées russes, jusqu'au territoire le plus large, jusqu'au continent. Et j'ajouterai au corpus, et après je m'arrête, aussi un autre livre essentiel pour moi de Perec qui s'appelle « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien », qui est aussi un vrai programme poétique, enfin une espèce de manifeste poétique. Donc Perec s'installe pendant plusieurs jours dans un café sur la place Saint-Sulpice à Paris, et donc il tente d'épuiser ce lieu, c'est-à-dire d'attraper... comme un sondeur, tu parlais tout à l'heure, Louis, de sonder, de carotter, d'attraper tout ce qui va passer dans son champ sensoriel, pas seulement son champ de vision, mais son champ sensoriel. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de la description, cette tentative d'épuisement est pour moi une espèce de ligne directrice ou d'horizon. Comment est-ce qu'on peut épuiser un sujet, épuiser un espace? Et aussi, est-ce qu'on a intérêt finalement à épuiser un paysage? Est-ce qu'il n'y a pas un double tranchant dans cette affaire de description? Jusqu'où on doit décrire, jusqu'où on doit prélever, jusqu'où on doit restituer? Alors, la question d'épuiser. Vous dites, Joy, est-ce qu'on a intérêt à épuiser? En ce qui me concerne, je ne me pose pas du tout la question comme ça. On ne peut pas épuiser. C'est inépuisable. Non seulement, à mon sens en tout cas, hein, les lieux sont inépuisables, l'érable est inépuisable, ma main est inépuisable, vos chaussures blanches sont inépuisables. On peut s'enfoncer dans tout ad libitum. J'ai aimé beaucoup la lecture épique et très physique que vous avez de votre texte, qui est très épique et très physique, dans lequel il est question de s'enfoncer encore, excusez-moi, j'ai l'air obsédée, mais oui, encore, on n'arrivera jamais au bout, on n'arrivera jamais au fond. Alors, ça c'est une chose, et l'autre c'est que y a quelque chose de très politique là dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous faites, vous, si je puis dire, il me semble, hein, mesdames, avec la langue, avec la littérature, ce que moi je ne fais pas, n'ose pas, ne sais pas faire, c'est-à-dire aller en des lieux qui me sont étrangers. Je ne sais pas faire ça. Il a été question de sortir du bureau tout à l'heure. Je ne peux pas, jusqu'à présent, ça fait 20 ans que j'écris, je ne peux pas, je n'ai pas pu, je n'ai pas su, et je ne sais pas si je saurai un jour, si j'oserai, si je pourrai, aller dans un lieu dans lequel je ne sais pas si j'ai place, et dans lequel je ne sais pas si je suis légitime, pour y travailler avec la langue, c'est-à-dire y faire peut-être littérature. C'est-à-dire que dans ce lieu, tout à l'heure, là, hein, à Paris, ou à la Gare du Nord, je,
J'y suis impuissante avec la langue. Voilà. Moi, je dis ça. Alors, je vois Mathieu Riboulet là-bas qui lève le doigt. Ah, oui. D'accord. Alors, j'y vais. Je cherche depuis longtemps, depuis 2003, j'ai commencé à publier en 2001, mais depuis longtemps. Hein. Je cherche en effet une écriture de la ville, du pays second. Il y a un pays premier, donc hein, ces cantons minuscules au nord du Cantal, extrêmement agricoles, et dans lesquels je ne finis pas de m'enfoncer et n'en finirai jamais. Hein. Et il y a un pays second apprivoisé. C'est une géographie très binaire, hein, très, voilà. Il y a un pays second apprivoisé qui est le monde citadin. Voilà. Et en effet, depuis très longtemps, je cherche, avec l'écriture, à aller sur ce terrain-là. Donc sa minéralité, la promiscuité des corps, l'abondance des verbes entrecroisés, alors que la cour du pays premier, par exemple, l'érable, la balançoire, etc., ce sont des pays ourlés de silence, vous voyez, hein, où quelque chose se tait, voilà. Bon, quelque chose n'est pas dit, tandis que moi j'aborde l'espace citadin comme un espace au contraire, toujours saturé de bruit, mais faire du bruit n'est pas forcément dire. Bon, voilà, voilà. Donc je cherche ça, hein. Mais en revanche, dans cet espace urbain, il y a des lieux. Et ces lieux exactement là, ça là, la gare du Nord, les immeubles en déshérence, les chantiers, la prison de la santé. Moi, je ne sais pas aller là politiquement. Je ne me sens pas légitime à aller là. Comment faites-vous? Voilà. Non, non, mais c'est une sacrée question pour moi. Tout à l'heure, vous ne parlez pas de pays premier, de pays second. Il se trouve que nous, on est restés dans notre pays premier. Et Olivia disait tout à l'heure, elle est née à Paris, elle n'a pas quitté Paris. Je suis dans la même situation. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans les mêmes dialectiques d'arrachement, précisément. Parce que non, après, on a un arrachement au sein de notre pays premier. La question de la légitimité, elle est toujours centrale quand on écrit, par exemple, sur la prison de la santé ou autre. Elle est sociale. Et enfin, la légitimité, c'est pour moi, en fait, par exemple, ça serait celle de l'écoute, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'écrire. Effectivement, la langue, elle vient aussi des autres, parce que en réalité, la langue qui constitue les textes dont je vous ai parlé, c'est une langue qui est retravaillée à partir de la langue des autres, et que c'est ce qui constitue la légitimité de ce travail, c'est le fait d'être capable. Et c'est vrai que c'est pas facile, ça prend du temps, être capable d'écouter. Ce que les autres disent, et c'est pas juste c'est une écoute difficile, profonde, au sens où qu'est-ce qui se joue dans le rapport en fait que quelqu'un entretient avec quelqu'un d'autre au moment où ce quelqu'un, à savoir moi, entre dans la prison de la santé pour aller rencontrer l'autre. Et tout ça c'est une histoire de, et c'est ça que j'appelle sortir de mon bureau, c'est l'histoire de la relation, en fait, c'est-à-dire comment, grâce au fait que j'ai la possibilité de me présenter comme écrivain ou écrivaine, je peux établir des relations avec des gens qui sinon, que je ne rencontrerai jamais, parce qu'en fait, ce qui se passe dans nos vies, c'est que, justement, c'est que nos vies sont relativement étanches, au sens où les gens qui nous entourent, nos amis, nos proches, nos moins proches, c'est des gens qui appartiennent à des univers socio-économiques qui sont assez proches des nôtres. Et on pourrait dire que le travail d'écrivain dans cette perspective-là, c'est précisément de sortir de cette étanchéité-là et d'aller de passer un certain nombre de frontières, parce qu'une prison, c'est quand même une vraie frontière. Et ce passage-là, il est légitime dans la mesure où il y a comme une sorte de retour, au sens où il y a une rencontre, il y a une écoute, et là, il y a une éthique aussi, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais ensuite écrire à partir de ces choses qui ont été dites, que j'ai entendues, qu'est-ce que je peux me permettre, parce que c'est vrai que c'est une question, hein, qu'est-ce que je peux me permettre d'écrire, jusqu'où je peux aller, quelle est ma... jusqu'où va ma liberté.
Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des fois, quand on rencontre quelqu'un, des fois ça se passe bien, puis des fois ça se passe mal aussi. C'est-à-dire que, par exemple, enfin, j'en raconte souvent cet épisode, mais de temps en temps, on rencontre quelqu'un qu'on trouve, par exemple, très antipathique. Ça arrive. Et, par exemple, une des choses éthiques de ce travail d'écriture, quand il est fait à partir de voix entendues, c'est de ne pas transformer son texte en une espèce de règlement de compte qui permet de se venger, parce qu'en fait, on a un pouvoir extraordinaire, on peut vraiment se venger, en fait. Et de temps en temps, ça m'est arrivé de le faire. Mais vous ne le savez pas, parce que ces textes, ils ont été ensuite mis à la poubelle. Mais ça fait partie, en fait. Tu veux dire que tu leur donnes pas droit si tu ne les accueilles pas dans la fiction, dans ton texte. Ce que je veux dire, c'est que si le premier mouvement est un mouvement comme ça, on pourrait dire de vengeance, de règlement de compte, c'est-à-dire où je vais écrire à partir de la voix que j'ai entendue, mais je vais en fait me venger en jugeant, par exemple, alors ce texte-là, il sera pas publié. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez, comme ces mails qu'on envoie de temps en temps. Et en fait, maintenant, on a appris avec l'âge qu'il ne faut pas les envoyer tout de suite. On les met dans les rouillons, on les relit le lendemain et on sait que ceux-là, non, finalement, on ne va pas l'envoyer. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire que, et ça, c'est ça l'éthique. L'éthique, c'est juste de prendre le temps. Et la légitimité, il y a quelque chose qui se joue là. C'est-à-dire que le travail de l'écrivain, là, il va essayer de sortir de du jugement, précisément, c'est parce que c'est nécessaire, sinon il n'y a aucune légitimité à faire ça. Mais c'est vrai que c'est une question extrêmement importante qu'on se pose toujours, en fait, en écrivant, surtout, comme tu dis, comme, je ne sais plus si on se voit ou si on se voit, surtout quand on va aller à un endroit qui n'est pas le sien, si on peut dire. Et que ça, c'est un... Enfin, moi, je trouve qu'aussi, c'est ça qui... c'est qu'on a une curiosité, en fait, pour ce qui se passe à un endroit où on n'est pas, et comment cette curiosité, on va la travailler avec la lance, tout en essayant d'accéder à cette légitimité. C'est une vraie question. Mais aussi, je voudrais aussi vous répondre sur la légitimité, parce que j'ai le sentiment, après je vous passe le micro, j'ai le sentiment que quand vous parlez de légitimité, de manque de légitimité, c'est comme si vous considériez qu'il y a une vérité de ce lieu qu'il faudrait capter, et que vous, parce qu'il y a légitimité ou illégitimité à partir du moment où il y a un seul sens ou une seule vérité, et que donc on est légitime si on capte la vérité du lieu. Mais finalement, vous disiez tout à l'heure, l'érable, il est inépuisable, mais le flic dont je parle à la gare du Nord, il est inépuisable aussi, et il est un paysage. Et la gare du Nord, c'est un paysage, et le flic, c'est l'érable, et donc je serais illégitime si je disais il y a une vérité de ce flic, mais je l'épuise à un moment donné, comme vous épuisez l'érable, et c'est la même chose. J'épuise pas l'érable. Attention. Oui, je l'éreinte et il m'éreinte, nous étreignons, mais il n'y a pas d'épuisement. C'est pour toujours. Et vous voyez, pardonnez-moi, mais évidemment, il n'y a pas une vérité. Il y a un tel foisonnement de vérités. Elles sont tellement enlacées, elles sont tellement enfoncées les unes dans les autres, que ça, voilà, ça me frappe d'impuissance. Voilà. Et c'est plutôt ça, vous voyez, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Pour moi, le mot chantier, je dois le dire, moi je m'arrête dans la rue pour regarder les chantiers. Je trouve ça esthétiquement très, très fascinant. Voilà, je m'arrête dans la rue, mais donc je n'y attaque pas avec la langue. Mais je m'arrête dans la rue pour les regarder. Mais pour moi, le mot chantier, c'est aussi, et puissamment, une métaphore de l'écriture. Ouais. Eh oui. Nous sommes sur des chantiers avec nos outils, avec notre matériau. Voilà. Et puis, certaines y vont avec des matériaux sonores captés, avec des documents, d'autres y vont à main nue.
enfin, on fait comme on peut. On fait comme on peut sur nos chantiers. Pour moi, mon chantier, il résonne aussi comme ça. Et aussi, ce que j'entends là dans tout ce qui a été dit, c'est dans cette notion d'enfoncement, de strate, vous voyez, le feuilletage, je crois que vous avez employé le mot feuilleté, hein, c'est que sur nos chantiers d'écriture, enfin moi sur mes chantiers d'écriture, je me sens traversée, je me sens habitée par des échos, par des voix, par des moments, par des corps, enfin immémoriaux, dont je ne savais même pas qu'ils avaient déposé en moi une trace. Et c'est tout ça qui fait la texture de ce qui est écrit. Donc ça me dépasse complètement. Ça me traverse et ça me dépasse. C'est une géologie mouvante, émouvante et impossible à cartographier. Impossible. Justement, c'est intéressant parce que je voulais revenir sur cette histoire de... On a parlé de géographie, mais justement, je voulais dire qu'en écoutant les textes que vous avez lu, et celui de Maëlys en dernier aussi, c'était que c'est moins une géographie qu'une géologie, en fait. Et que si on pensait à... Enfin, moi, je me suis... Géomorphologie. Je me disais que finalement, oui, Pérec est sans doute un auteur dont tu parlais très justement, qui est important, parce que justement, il a proposé de faire de la littérature avec l'espace et non pas avec le temps, si on peut dire. Mais pour moi, l'autre texte qui était là... je sais pas si peut-être, je crois que je délire un peu, mais ça fait rien. C'est vraiment le Terrier de Kafka, quoi. Enfin, pour moi, le texte de référence, je pourrais dire, qui est le texte originaire pour un travail géologique, c'est ce texte-là. Vous savez, c'est ce texte, c'est, je crois que c'est le dernier texte de Kafka, qui est d'ailleurs un texte inachevé, dans lequel Kafka imagine un animal dont on ne sait pas très bien ce que c'est comme animal. Qui est dans son terrier, qui creuse, et donc en fait c'est tout le travail de creusement, et en fait on comprend que cet animal, il creuse pour se protéger d'éventuels prédateurs qui pourraient l'attaquer, mais qu'en même temps, en creusant, il prend des risques inconsidérés, donc de toute façon, quoi qu'il fasse, ça va pas bien se passer pour lui, ça c'est parce que c'est Kafka, donc ça va pas bien, donc s'il creuse, ça va bien parce qu'il se protège, mais s'il creuse, ça va pas bien parce qu'il s'expose en fait en creusant, et c'est tout. Ce texte est uniquement consacré à ça, et je trouvais que, il me semble que tout ce qu'on a dit sur le paysage, c'est aussi ce qu'on a dit sur l'épaisseur, la coupe sagittale, le souterrain. Je crois que c'est très très important dans nos imaginaires d'écrivains, quoi. Et le temps et l'espace, pour moi, ne se séparent pas. Justement, je garde de vagues souvenirs de la géologie qui, dans les temps immémoriaux où j'étais au collège, s'étudiait en quatrième. Et une coupe géologique, c'est de l'espace et c'est du temps. Avec des, vous savez, des fossiles. Voilà. Des inscriptions en creux, des choses. Ça donne aussi à la notion de paysage, enfin, de mon point de vue, c'est une notion assez abstraite, et au sens où elle est très liée à la mémoire. Et elle est très liée au souvenir, c'est-à-dire elle est très liée à la rémanence de l'expérience dans le temps. Pour moi, si vous voulez, le paysage, ça n'est pas le lieu, ça n'est pas l'espace, ça n'est pas la description. Le paysage, c'est ce qui va émaner d'un livre une fois qu'on l'a refermé. C'est-à-dire c'est un espèce d'agencement, une espèce de sensation, en fait, qui est rebrassée dans le souvenir. C'est vrai que je parle souvent de la citation, enfin de la définition que Gilles Clément, qui est un philosophe et un jardinier, donne du paysage. Il dit vraiment c'est ce qui subsiste, c'est quelque chose que l'on a sous l'étendue de nos sens, enfin du regard et de nos sens, et que l'on conserve une fois que l'on a les yeux refermés, que l'on conserve une fois que nos sens ne sont plus exposés à cette réalité. Et moi, je trouve que c'est important quand même de donner en fait à la notion de paysage cette notion de temps, comme vous venez de faire, au sens où que effectivement, c'est quand même quelque chose qui existe dans la mémoire, c'est-à-dire vraiment ce qui pour moi est le mot qui serait assez
est fort, ce serait vraiment cette idée de rémanence et de résonance. C'est là où se situe le paysage, beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, il surgit du livre. Et je me dis souvent que ce que moi je recherche dans la littérature, ce que je recherche dans les livres, que ce soit de la littérature fictionnelle ou non fictionnelle, c'est réellement que les livres instaurent des paysages. C'est-à-dire que si le livre n'instaure pas de paysage, pour moi, il y a quelque chose qui est manqué. Et c'est évidemment que le paysage, c'est une espèce de... C'est un désir, déjà, c'est vrai que c'est un mouvement, mais ça existe beaucoup sous la forme d'une sensation qui est traversée par la mémoire et par le temps, mais qui est traversée par la mémoire de l'expérience, voilà, de l'expérience du lieu. C'est ce que je voulais dire. Je pense, quand vous dites ça, je pense à cette expérience très commune et très, très, très ordinaire et très émouvante qui consiste à revenir, quand on est adulte, dans un lieu que l'on a connu enfant et de le trouver petit, de le trouver infime, d'en mesurer toute l'émotion et aussi... le caractère mouvant, voilà. C'est pour ça que j'aime assez assembler mouvant et émouvant, vous voyez, avec ce que ça suppose éventuellement de circulation ou de douleur aussi. Je pense toujours à ça. C'est la question de l'aura aussi, c'est la question de la manière dont les choses vont se déposer en soi, et c'est ça aussi, c'est aussi à partir de là, de ça que l'on peut écrire. Et dans Chantier, de cette manière-là, on peut aussi entendre chant. C'est-à-dire, qu'est-ce que va chanter un livre, c'est quoi ce chant ultime, qu'est-ce qui va se déposer après, c'est quoi cette espèce d'onde sonore ou d'onde sensorielle qui nous reste après. Par exemple, pour moi, ce chant-là, issu de ce chantier, ça peut être ce paysage. Est-ce que vous voulez nous lire justement le passage sur les paysages dont il est question dans Traversée, publié aux éditions Guérin, et puis ensuite on pourra donner la parole qui est là. Le paysage est un travail, un vaste chantier géologique qui dépasse les forces des personnes. Le paysage est plus grand que moi, plus grand que nous, mes parents, ma sœur, mon frère, les chiens, les vaches, les autres enfants de l'école, les autres adultes, les autres vivants, nous tous, et nos tracteurs, et nos outils, et nos voitures, et nos fortes maisons de pierre, d'ardoise et de bois. Quand je commence d'être, je suis plantée au milieu de la vallée, au bord du mouillé de la fente, plantée debout comme un arbre, et je sais, je sens, ça s'impose, que tout ce vaste corps du pays souple et couturé, avec la rivière, les prés, les bois, et par-dessus le ciel tiré, tendu comme un drap changeant, je sens que tout ça était là avant moi, avant nous, et continuera après moi, après nous. La vallée, quand on l'envisage, depuis le sommet du Puy-Marie, est inéluctable et vaste, comme si elle avait toujours déjà été là, et la rivière mouille son creux. Cette seule rivière minuscule qui se repose en méandre languide entre Dienne et Ségur-les-Villas, ou disparaît carrément, devient souterraine à quelques kilomètres de sa source. C'est une fantaisie de rivière de disparaître sous une croûte épaisse de terre et de résurgir ensuite, mine de rien, l'air dégagé, garni de truites, bourré de cailloux, ardemment vive et babillarde, enjuponnée de noisetiers drus. Le regard transforme le pays en paysage, le regard des autres, ceux qui viennent des ailleurs ou qui s'y sont frottés et qui mettent des mots sur les choses, les sensations, les sourds éblouissements que l'on n'a pas dit, faute de savoir comment, ou par peur du ridicule, ou pour cent autres raisons encore. Enfant, très tôt, je sais que je partirai. On le répète autour de moi.
Je l'ai dit, je suis assignée à l'ailleurs des autres. Il avance en moi son étrave et le chemin est tout tracé. Il passe par l'école. Il s'en va, comme s'en vont les chemins et comme s'en va la rivière qui annonce en toi. C'est évidemment à l'école que je contracte, avec l'apprentissage du rudiment, le goût des mots et des histoires. Écrire et partir, c'est le même mouvement vital. Ça ne se sépare pas. D'ailleurs, avant d'écrire, d'oser écrire pendant très longtemps, j'ai pensé que si un jour j'écrivais, je prendrais ce pseudonyme de Santoire. Je suivrai les eaux de la rivière d'enfance qui part et demeure à la fois. Je ne l'ai pas fait. J'ai gardé mon nom, celui du père, où coule aussi l'eau vivace de la source latine. J'ai mis des années à comprendre que cette inscription de l'ailleurs en moi dès l'enfance avait probablement contribué à me constituer très tôt en regardeuse obsessionnelle qui toujours remet ses pas dans ses pas, d'un dimanche à l'autre, de la sixième à la terminale, 10 mois par an et 7 années durant, comme font les vaches lentes qui creusent leurs traces entre le pré et l'étable. Les choses vertes, leur litanie, se déposent en moi et font sillon. Ça se fait à travers moi. Plus tard, 1000 ans plus tard, en aller, enfoncé en mes ordinaires ailleurs citadins, je saurai que c'est là que j'ai tout emporté, sans photo et sans image, incrusté sous la peau, et quand je commencerai à écrire, ce sera comme lire en braille et déchiffrer du bout des doigts une géographie intérieure très archaïque. Tout sera là, tout se lèvera et remontera du fond des âges, ceux des autres et les miens, parce que rien ne m'appartient et tout me parcourt de ce dérisoire trésor d'un pays que sont le nom et le goût et le grain des ruisseaux et des rivières, des gens et des maisons, des prés et des bois, des bêtes et des nourritures. Donc, rien ne m'appartient et tout me parcourt, c'est aussi une façon d'habiter le monde, hein, sous forme de mouvement et non pas de propriété. Est-ce que il y a des questions dans la salle? Oui, ouais. Juste, bon, moi je suis éditeur de. Avec ma collègue Jeanne Lapin, on est éditeur de Maëlys et Olivia, et amie de longue date de Joy, et lecteur. Et enfin, en tout cas, moi, ce que je voulais juste dire, parce que c'était d'assez haut niveau là, ce matin, quand même, c'est remarqué. Non, je voulais juste apporter un peu de discorde au sens évidemment noble du terme, car la démocratie n'existe jamais que dans la discorde, et la concorde n'a aucun intérêt. De mon point de vue, c'est que là, ce que j'ai entendu ce matin, c'est des auteurs qui nous ont lu des textes forts et qui ont eu, c'est alors en plus, cette intelligence incroyable d'être arrivés à avoir aussi un discours, un regard critique qui était au-delà des intentions bonnes ou mauvaises de leur écriture, mais qui était un vrai discours très construit, très fort, très intelligent. Mais ce que je voudrais juste dire, ce que j'ai ressenti, désintellectualise un peu, mais je vais réintellectualiser tout de suite après, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait des sensibilités littéraires extrêmement différentes. Et je trouve que, moi, ce que j'ai entendu ce matin, j'essaie de mobiliser mes souvenirs de terminale de philosophie, c'est qu'il y avait une sensibilité de l'être, et une sensibilité du devenir, qui est
un truc fondamental dans l'histoire de la philo, les philosophies de l'être et les philosophies du devenir. Et là, j'ai entendu des textes magnifiques de celui de Marie-Hélène, qui est profondément lié à la philosophie de l'être, et l'extrémité absolue de la philosophie du devenir, qui est Olivia Rosenthal, du funambulisme, de l'arrachement, etc. Et c'est ça qui est beau. J'arrête, je ne peux pas faire un discours intello, c'est juste pour dire ce qui est beau quand on a un magnifique plateau d'écrivains comme ça, c'est qu'il y a des sensibilités différentes. Il ne faut pas tout réconcilier. Il ne faut pas tout faire croire qu'ils parlent de la même chose et ils en parlent de la même manière. Non, non, et ce n'est pas seulement une question, je tiens beaucoup à ça, de langue ou de forme. C'est aussi une question qu'il y a des sensibilités différentes qui existent depuis des millénaires, qui sont en opposition et qui inventent des littératures magnifiques et qui n'ont pas à se réconcilier puisqu'elles portent des sensibilités qui ont fait la discorde géniale de toute l'histoire de l'humanité. Et monsieur Pagès, si je puis me permettre, il me semble que nous n'avons pas réconcilié. Ah mais je ne cherche pas à m'engueuler avec vous. Monsieur Pagès, j'insiste. J'espère que nous avons fait bouquet. Voilà. J'entends par faire bouquet que les tiges textuelles ont jailli, chacune dans leur direction. C'est pas du corps, ça. Absolument. Avec ces paysans de la Lozère et cette terre que je connais très très bien. Et j'ai senti toujours ce même arrachement et cette sensation de perte à laquelle on ne consent jamais tout à fait. Et j'ai l'impression que vous êtes dans le même cheminement, lui avec sa caméra et avec son dialogue avec les gens, avec un visage en face de lui, et vous avec votre écriture en train de fouiller et de vouloir donner et amplifier toute cette vastitude et cette beauté que vous avez connue. Donner à voir pour moi. Donner à voir, voilà. Mais pas seulement à voir, hein. Incarner. Donner cher, c'est mon travail, c'est une tension de l'être qui s'inscrit évidemment dans cette affaire de l'arrachement et de l'attachement. Il se trouve très ponctuellement que l'un des romans que j'ai publié l'annonce a pour image séminale la toute dernière image du deuxième chapitre des profils paysans de Raymond Depardon, à savoir le chapitre qui s'intitule Le quotidien. Voilà. Bon, il se trouve que ce serait trop long pour moi, en revanche, de dire au juste qu'il en est de mon rapport au travail de Raymond Depardon, mais ce que je veux dire, en revanche, vous voyez, c'est qu'il a été question de ça tout à l'heure, la question des racines de l'arbre du pays premier. Évidemment que j'ai des racines en un pays premier, mais c'est pour ça que je merci Maïlis de d'avoir choisi l'extrait de ce texte-là que j'ai mis l'an dernier, parce que ces racines, elles s'arrachent, elles voyagent, elles ne m'appartiennent pas. Et ce mot pour moi n'a de sens que parce qu'il est partagé. Voilà. Et que chacun porte en soi ses pays premiers. Chacun. Dans les grands moments de la musique de chambre, faisait entendre vraiment quatre voix
différente et très distincte, très, très nette. Je voulais juste réagir à l'évocation de Kafka que Olivia Rosenthal a proposé et dire que le titre du terrier en allemand c'est Bau, qui veut dire tout simplement aussi construction, ou œuvre, ou chantier. Et enfin, je voulais vous suggérer cette injonction, ou enfin, ce qu'on voit souvent sur les chantiers, en fait, cette indication routière aussi, qui est ralentir travaux. Et je crois d'ailleurs, je me souviens vaguement que ça a été transformé en slogan littéraire par je ne sais plus qui, peut-être les surréalistes, je ne sais plus. Et il me semble que dans les quatre voies, les quatre types d'écriture qu'on a entendu, et j'ai vraiment aimé surtout vos lectures, qui étaient des grands moments, il me semble qu'on faisait cette expérience d'un ralentissement infini. Qui nous faisait finalement être autrement au chantier ou en chantier. Merci. Merci. Je vous remercie beaucoup et je pense qu'on peut se retrouver. Je crois qu'il doit y avoir une table avec des. C'est ça, c'est tout à fait Maïs. Donc si vous voulez retrouver les 80. Merci. Et voilà, je vais vous dire un choix de la vie.